On se réveille moins bête avec Olivier ce matin. Salut VV. Salut Guillaume, salut toute l'équipe, comment ça va ce matin? Ça va et toi mon pote? Ça va top. On va parler nickel. Tâches ménagères avec toi Olivier. Est-ce que tu aimes le ménage? Ouais. Il faut le faire. Bonne réponse. Olivier, 22% des Français font tout pour éviter cette tâche ménagère. Laquelle selon toi? La cuvette des toilettes peut-être. Non, c'est pas ça. Fabien. Est-ce que c'est une grosse corvée? Une grosse corvée, ouais, pour moi c'est une grosse corvée. Alors je dirais faire l'amour. Non, c'est pas ça. Yannick, non le producteur. Je dirais le repassage. Le repassage, c'est pas ça non plus. C'est quelque chose qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur. Pour lequel on sort de la maison. Non, c'est pas les vitres. Extérieur. Olivier. Ouais, j'aurais dit le rebord des fenêtres peut-être. Non. C'est technique, à la nature, on a du ménage comme de pointe. Yannick. Le jardinage. Le jardinage, non. Ah, ça se passe à l'extérieur de la maison. Ça se passe à l'extérieur. Sortir les poubelles. Oui. Ah bah tu vois, bravo. En même temps. 22% des Français font tout pour éviter de sortir les poubelles. Ah c'est vrai que c'est vrai ça. Moi j'ai trouvé un équilibre avec ma copine. Ah bon, comment tu fais? Je dis souvent, moi je remplis les poubelles, toi tu les sors. Et ça marche très très bien, on a trouvé notre fonctionnement comme ça, c'est parfait. Vous, est-ce qu'il y a une petite tâche ménagère que vous aimez pas, ou est-ce que vous avez une astuce pour éviter les tâches ménagères, Fabien? Ah moi j'en ai une que je conseille à tout le monde. Alors c'est très vicieux, hein. J'espère que ma chérie n'est pas réveillée. Moi aussi j'en ai une de dingue. Le soir, vous remplissez le lave-vaisselle, d'accord? Enfin vous remplissez comme il faut, et surtout vous mettez tout le nécessaire pour le petit déjeuner, les bols, les machins et tout. Et vous mettez à laver, comme ça le lendemain matin vous êtes sûr que si vous partez avant, elle est obligée de vider la vaisselle pour récupérer. Tout le nécessaire pour le petit-déj. Ah. Elle le vide. Et voilà, ni vu ni connu. Toi, tu me fous rien. C'est vicieux. Pas mal. Moi, j'en ai une. Est-ce que vous en voulez une pour pas passer l'aspirateur? Vas-y. Alors, moi, ma copine, elle me demande souvent de passer l'aspirateur. Donc, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux aller dans la chambre? Comme ça, je pourrais aspirer dans les moindres recoins. Bonne idée, ouais. Voilà, donc elle va dans la chambre. Et moi, pendant ce temps-là, j'allume l'aspirateur. Je m'allonge sur le canapé. Et je vais sur Insta pendant 10 minutes. Et voilà. Et je fais rien. Et après, quand elle me dit que c'est sale, je lui dis que c'est l'aspirateur qui fonctionne pas très bien. Ah, très fort. C'est pas mal. Ça, c'est bien un bon ça aussi. Bravo. T'exagères. Diane, est-ce que t'as une petite technique, toi, pour éviter les tâches ménagères? Ouais. Alors, en fait, bon, vous savez, moi, je suis hyper bordélique. Donc, c'est toujours le bordel chez moi. Donc, quand les gens viennent chez moi, je fais, j'ai pas eu le temps de ranger. Attends, mais en plus, attends, faut que je prépare la bouffe et tout. Putain, je suis désolée, je t'ai dit de venir trop tôt. Et bon, bah, attends, je vais t'aider. Okay. Tu ranges, je fais la nourriture. Oh ça te va? C'est pas mal. C'est pas mal. Olivier, ta technique? Moi, je fais faire les gamins. Ça m'intéresse, ça raconte? Ils sont rémunérés ou pas du tout? Non, bénévolement bien sûr. Ah d'accord. Et tu leur fais faire quoi? Donc l'aspirateur, la vaisselle, le ménage? L'aspirateur, la vaisselle, oui bien sûr. D'accord. Il faut dès tout petit les habituer à ces tâches-là. Mais d'ailleurs, vous savez qu'il existe des jouets aspirateurs pour les enfants? C'est-à-dire quoi? Quand tu peux déjà acheter, c'est des aspirateurs pour enfants. Et comme ça, ils font leur chambre, ils sont déjà super contents. Et après, tu dis, écoute, tu débrouilles très bien. Maintenant, tu vas faire la chambre de papa avec le gros aspirateur. Olivier, on te fait des bisous et on fait des bisous à tes enfants aussi. Eh ben, ils t'entendent, ils sont très contents. Salut Olivier. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.